Monsieur le ministre de l'administration du territoire, Monsieur le président des partis politiques et des coalitions politiques, je voudrais commencer par remercier le ministre pour avoir pris enfin cette initiative de rencontrer la classe politique pour parler de cette transition. D'abord, il y a souvent un malentendu sur la mission principale de la transition. Nous sommes dans quelle situation? Le président qui était censé être élu a été déposé. L'Assemblée a été dissoute. La Constitution a été dissoute. Nous sommes dans ce qu'on appelle un régime d'exception. Le pays est suspendu des instances de l'Union africaine et de la CEDEAO, récemment suspendu de l'ACOA. La coopération économique et financière a été fortement réduite ou parfois suspendue par certains partenaires bilatéraux ou multilatéraux, parce que nous sommes dans un régime d'exception. La principale mission de la transition, c'est de se hâter pour mettre en place des institutions légitimes qui sont fondées à engager les réformes qui s'adressent au fléau qui mine la société pour le fonctionnement des institutions. Ceci dit, tout ce qui revient à un état normal doit être fait par ceux qui sont là. Donc en période d'exception, il n'y a pas de légitimité. La légitimité vient du consensus. Lorsque le colonel Doumbia et ses collègues ont pris le risque, parce que faire tomber un dictateur, c'est un risque, c'est risquer leur vie. Ils ont déposé le tyran. Oui, ils ont suspendu la Guinée entière à saluer leur démarche. Parce qu'on était dans une situation où l'ordre constitutionnel était déjà rompu. Depuis le coup d'État constitutionnel du 22 mars et l'hold-up électoral du 18 octobre. La Guinée entière a salué. Donc on a légitimé, dans une certaine mesure, un peu ce patriotique de notre armée, et partout on a salué. On a défendu cette intervention en disant à nos partenaires, vous n'avez pas le droit de les sanctionner. Puisque vous étiez restés indifférents, lorsque le coup d'État constitutionnel se faisait, lorsqu'on était en train de tuer des citoyens, en garantissant une impunité totale à ceux qui agissaient, vous n'avez pas entendu ni la CEDEAO, ni la MO. On a dit que ce n'est pas le moment de sanctionner ceux qui ont pris l'initiative de libérer les Guinéens. Aujourd'hui, nous devons instaurer le dialogue. C'est elle qui peut donner. C'est le dialogue qui doit donner un peu de légitimité aux actions que nous prenons. Nous sommes des Guinéens, des frères. Nous allons vers la réconciliation. Nous nous sommes réjouis de se retrouver RPG, UFDG, dans une même coalition. Parce qu'on va aller là, nous sommes tous des frères. Il faut qu'on se réconcilie. Il y a eu des clivages qui ont été créés. Il faut qu'on se débarrasse de ça et qu'on se souvienne que nous appartenons à ce pays et que nous devons œuvrer au-delà des sensibilités politiques, pour bâtir un État régi par les règles et les principes de l'État de droit. À cet égard, Monsieur le ministre, le gouvernement a pris de très bonnes décisions, mais il faut qu'on se retrouve dans un cadre bien défini pour dialoguer. Il ne s'agit pas de se retrouver tous les mois et tous les trois mois. Il faut qu'on définisse un cadre de dialogue où on se retrouve. Les forces politiques, c'est elles qui doivent aller aux élections. Comment doit-on aller aux élections? Le cadre juridique et réglementaire des élections doit être défini. Ce cadre, c'est d'abord la Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections. Il y en a. Il faut que, en toute responsabilité, qu'on se conserve, puisqu'il n'y a plus de légitimité. Ici, de la volonté populaire. C'est le consensus. Le consensus a donné déjà la légitimité au CNRD, puisqu'on a salué son action et on a accepté qu'il règne, qu'il dirige le pays. Mais nous devons tous faire preuve d'humilité.
faire plus l'humilité, c'est écouter l'autre. Retrouvons-nous en tant que frères, écoutons-nous. Je peux penser que j'ai des droits. Je viens à un dialogue, on me dit non, ça c'est pas un droit. Et puis j'accepte parce que je suis un agent rationnel. Lorsque on met en évidence et laisse mes erreurs, je dois accepter. Donc moi je dis, il faut qu'on se conserve dans une famille pour mettre un cadre permanent de dialogue. Les partis politiques, comme l'a rappelé Ousmane Kaba, je vais dire, on a estimé qu'il fallait que nous on réfléchisse et que nous apportions une contribution. Quelles sont les grandes lignes de la Constitution? Quelle Constitution? On va le faire. Quel organe de gestion des élections? Qu'est-ce que nous pensons? De notre point de vue, si on a un consensus, le consensus n'est pas acquis, hein? Mais nous allons essayer d'avoir un consensus. Quel code électoral? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'il faut changer? Quel fichier électoral? Qu'est-ce qu'il existe? Qu'est-ce qui existe? Madame Dienabella, elle sait quel fichier est là. Mais personne ne sait. On l'a tellement discrédité que personne. Il faut qu'on accepte d'écouter le Texinien. Quel est l'état actuel du fichier? Comment avoir un fichier qui reflète fidèlement l'état du correct électoral? Compte tenu de tout ça, quelle durée de la transition? Nous allons donner un point de vue. Parce qu'il y a des gens qui disent non, 3 ans, 5 ans. Mais je pense que compte tenu de l'urgence, pas de la précipitation, de l'urgence de sortir notre pays de cette situation où on est suspendu de l'Union africaine et de la CEDEAO, dont nous sommes membres fondateurs, et vous connaissez le rôle joué par la Guinée dans la création de ces organisations. Si nous devons sortir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut identifier les actions à mener. Et avec l'expérience des uns et des autres, combien de temps faut-il pour chaque action? Et puis vous faites la somme des différents délais, des actions indispensables pour l'organisation des élections, et puis vous retrouvez, voilà le délai normal. Puisqu'on doit être d'accord qu'on doit quand même mettre en place des institutions légitimes, issues d'élections inclusives, libres et transparentes, qui fondent en conséquence de mener toutes les réformes dont notre pays a besoin. Mais d'ici là, on peut les identifier. Donc pour ne pas abuser du temps qui m'est imparti, je vous remercie. C'est ma petite contribution. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour monsieur le ministre. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la même équipe. C'est le Sili National qui vient de gagner. Politiciens comme CNRD, comme gouvernement, nous jouons tous dans l'équipe du Sili National. Et je voudrais qu'on applaudisse le Sili. Monsieur le ministre, je voudrais dire simplement que les hommes politiques sont organisés. On vient d'une réunion du collectif des partis politiques qui a pour vocation de rassembler l'ensemble des partis politiques à travers les coalitions qui existent déjà. C'est tous les partis de Guinée, à l'exception notable du RPA. RPJ Arcancien qui était avec nous et qui est en route d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc nous sommes déjà organisés et nous avons déjà pris l'initiative d'accompagner la transition. Parce que nous nous sommes dit qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble pour que cette transition se passe très bien. Alors nous avons convenu de vous aider sur 5 éléments, de faire des propositions, d'abord sur la Constitution, ensuite sur le Code électoral, sur l'organe de gestion des élections, sur le fichier électoral et cinquièmement, sur le chronogramme et la durée de la transition. Donc nous allons tous réfléchir la classe politique pour vous faire des suggestions. Nous sommes très heureux, monsieur le ministre, que vous ayez parlé de la disponibilité du gouvernement et du CNRD à travers votre département. Et nous sommes d'accord qu'il y a notre interlocuteur naturel,
que vous ayez offert cette plateforme de dialogue, que les hommes politiques, individuellement ou collectivement, ont réclamé depuis quelque temps. En ce qui nous concerne, je puis vous assurer que nous sommes disponibles pour ce dialogue. Nous sommes préparés. Nous avons commencé les discussions dans les 14 plateformes, 13 plateformes, plus les non-coalisés, ça fait 14 plateformes. Et il y a la 15e plateforme qui est à côté de nous, qui est encore en route, n'est-ce pas? Donc je pense que, pour être pratique, nous avons 15 coalitions. Comme ça, vous allez avoir 15 interlocuteurs ou au plus 30 interlocuteurs. Je suis d'accord avec vous. Il est presque impossible de parler à plus de 181 partis en même temps. C'est presque impossible. Nous nous sommes regroupés en coalition, même à notre niveau, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout facile. Mais nous, nous allons faire l'effort de sortir nos suggestions sur les thèmes sur lesquels nous sommes tombés d'accord. Encore une fois, en ce qui nous concerne, nous voulons vous remercier pour ce déjeuner très copieux. Même si je n'ai pas mis de gros plats, ni de poisson, ni de viande. Mais ça vous rassure, on avait déjà mangé avant de venir. Mais ce qui nous a fait plaisir surtout, c'est de regarder ensemble le match de la Guinée contre le Malawi, ce qui nous rappelle tous que nous avons quelque chose en commun, qui est au moins la passion du football. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Chers collègues, membres de la classe politique, je vais commencer par féliciter chacun de vous, parce qu'en étant là aujourd'hui, nous avons tous prié ensemble pour que notre équipe nationale gagne. Et elle a gagné. Félicitations. Ceci dit, nous disons félicitations aussi à Monsieur le ministre. C'est vrai, à un moment donné, la classe politique avait commencé à se poser la question, est-ce qu'elle était considérée? Aujourd'hui, on ne peut plus se poser cette question, parce que nous sommes là, il y a un début de dialogue. Il nous a été demandé de faire des propositions concrètes, et je crois qu'elles sont en train d'être faites. Nous voulons un cadre amélioré qui permette aux uns et aux autres de s'exprimer de manière à ce que nous nous comprenions. Et c'est aussi le lieu de souhaiter, avec la possibilité qu'on s'est donnée de nous mettre ensemble, je vais parler de la classe politique, que quand il sera question dans le futur de faire des propositions, nous n'allons pas faire comme les premières que nous avons faites. Parce que c'était 15 places qui nous avaient été demandées. Il paraît qu'il y a 130 dossiers de la classe politique pour le CNT. Nous sommes en train ainsi de contribuer nous-mêmes à retarder le processus. Ce que nous sommes, s'il vous plaît, je crois que si nous avions envoyé 15, nous aurions aujourd'hui la force de demander au CNRD, ainsi qu'au ministre de l'administration du territoire, que nous voulons maintenant le CNT en place. Mais reconnaissons que, parce que nous n'avons pas été capables de fournir 15, qu'on est encore en train d'attendre le CNT. C'est une question de point de vue. Nous nous sommes battus pendant 11 ans. Pendant 11 ans, nous nous rappelons des thèmes que nous avons discutés. Cette occasion, elle est belle pour que nous ayons effectivement
le BESIC en place dans notre pays pour que nous construisions là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? 63 ans après notre indépendance, nous sommes encore au niveau où quelqu'un peut venir le matin dans une municipalité, dire qu'il s'appelle Faya Merimono, il donne une date de naissance qu'il imagine, à midi il revient, la même personne peut encore donner un autre nom avec une date différente. Et je me rappelle, et c'est le lieu de le dire, lorsque les débuts du professeur Alpha Condé, le recensement général de la population et de l'habitat a été fait, nous savons les critiques que nous avons formulées. Et je crois que durant cette période transitoire, nous devons savoir combien nous sommes, nous les Guinéens. En sachant combien nous sommes exactement, nous pouvons arriver à affecter à chaque Guinéen un identifiant qui nous permette, comme des pays organisés, de mieux nous gérer. Et nous pouvons même extraire notre fichier électoral, n'est-ce pas, du résultat d'un tel processus. Et donc, en prenant la parole, je souhaite qu'au moins toutes les 3 semaines, nous ayons la possibilité, la classe politique, le ministère de l'administration du territoire, dans un cadre plus approprié, nous puissions échanger pour que les uns et les autres expriment, n'est-ce pas, leurs préoccupations. Je vous remercie déjà pour des actes qui sont en train d'être posés. La grief doit fonctionner. La moralisation de la vie publique dans notre pays, c'est un passage obligé. Nous sommes ce pays où quelqu'un arrive aux affaires, il tue, il vole, et après on détourne la page. Il faut qu'on commence à lire les pages. Et quand nous allons les lire avant de les tourner, celui qui viendra ne posera plus les mêmes actes que nous avons déplorés par le passé. C'est pourquoi toutes les trois semaines, si nous avons la possibilité de nous rencontrer, nous avons des idées à mettre sur la table et nous pensons que ces idées-là seront prises en compte. En ce qui concerne la CPR, beaucoup de choses que nous avions dites dans notre mémo se sont retrouvées à peu près dans la charte que nous avons aujourd'hui sous la main. Ne serait-ce que pour cela, nous disons merci au CNRD. Et nous disons merci au ministre de l'administration territoriale. Je vous remercie.